Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cyril Bouchard, je suis ingénieur pédagogique digital et j'ai la chance d'habiter dans une magnifique région, le Pays Basque. Vous êtes un grand nombre à me demander quels moyens vous pouvez utiliser pour réaliser des formations à distance ou tout simplement pour maintenir le lien et les échanges dans le travail ou avec vos proches. J'ai peut-être la solution pour vous, un outil gratuit qui permet de faire des visioconférences mais aussi et surtout d'animer des classes virtuelles jusqu'à 8 personnes et ça sans limite de temps. J'ai nommé Webroom, un outil que j'utilise au quotidien. Alors, prêt à démarrer? Suivez-moi! Ah, vous voilà! Tout d'abord, il faut savoir que Webroom est une application dite SaaS, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel sur votre ordinateur, ce qui est tout de même moins contraignant. Alors, je vous invite directement à vous rendre sur Webroom en tapant webroom.net. C'est parti! Nous voici sur la page d'accueil. Webroom fonctionne avec Google Chrome et Firefox. En revanche, l'application n'est pas encore compatible avec les smartphones et les tablettes. Si vous avez un doute sur votre système de navigation, vous pouvez tester la compatibilité en cliquant sur Compatibility Check en bas à gauche. Pour moi, c'est bon. Lors de votre première connexion, vous devez enregistrer un compte. Pour cela, cliquez sur Register. Vous noterez au passage que j'ai un super accent anglais. Vous saisissez votre prénom, votre nom et puis une adresse mail valide bien entendu. N'oubliez surtout pas de valider les conditions générales et vous pouvez lancer l'inscription. Vous allez recevoir un email pour finaliser votre enregistrement. Et si ce n'est pas déjà le cas, vérifiez dans vos spams ou indésirables. Mon mail est bien arrivé, il m'invite à finir mon enregistrement. Il me suffit donc de cliquer sur Finish Your Registration. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte, mais je vais arriver sur une page sur laquelle on va me demander de saisir un mot de passe et de le valider. Et ensuite, je vais recevoir cet email-ci qui me confirme que j'ai bien été enregistré sur Webroom. Pour vous connecter à Webroom, cliquez sur Login. Vous accédez ainsi directement à la page d'organisation de votre réunion. À gauche de l'écran, vous avez des informations relatives au paramétrage de votre profil ou bien à la gestion de vos rencontres. Vous avez différents onglets, début pour organiser vos réunions, prochain pour visualiser la liste des prochains événements, historique pour accéder aux détails de vos précédentes réunions et notes pour visualiser les notes que vous aurez prises durant votre classe. On va commencer par organiser une réunion. Il vous faut donc alimenter le titre. Alors, par exemple, moi, je vais mettre Apéro Digital Learning Tribe DLT, ça ira très bien. Le type vous permet de choisir le format de votre réunion. Vous avez le choix entre organiser une conférence purement audio ou bien une visioconférence. Moi, c'est ce que je vais faire parce que pour un apéro, c'est quand même plus convivial. Ensuite, vous avez la possibilité de démarrer votre réunion immédiatement en choisissant maintenant ou bien de la planifier plus tard. Et c'est ce que je vais faire aussi, car je crains que sinon, qu'à cette heure-ci, ça fasse un petit peu tôt. Alors, on va mettre 11h30, et je le planifie pour demain, vendredi. Et enfin, je vais lancer mes invitations. Je vous rappelle que vous pouvez inviter jusqu'à 7 personnes de manière totalement gratuite et sans limite de temps. Moi, je vais inviter Luc et Sandrine. Vous avez tout saisi, vous n'avez plus maintenant qu'à cliquer sur « Créer une réunion ». Dès lors, vos invités recevront un mail contenant la date et l'heure de l'événement, ainsi qu'un lien de connexion. Lorsque vous programmez une réunion, celle-ci apparaît dans « Prochain ». Vous avez une synthèse des différentes informations relatives à votre réunion planifiée. Le titre, la date et l'heure, les participants, le lien pour accéder au salon que vous pouvez copier si vous souhaitez partager avec d'autres. Vous pouvez également choisir de supprimer l'événement ou bien de le replanifier. 11h30, c'est un peu juste pour que le rosé soit frais, alors on va dire 11h45, c'est parfait, et je fais réunion de mise à jour. Là, je vois qu'un mail a été adressé aux participants, ce qui me va très bien. Vous pouvez également préparer votre réunion. C'est ce que je vais faire. À partir de là,
plusieurs possibilités s'offrent à moi. La première, Share Link, pour partager un lien vers une ressource. Je vais partager un lien vers le site de Alcool Info Service pour informer mes participants sur les risques liés à l'abus d'alcool. Vous avez ensuite la possibilité d'intégrer une vidéo grâce au bouton Embed Vidéo. Pour cela, il suffit d'aller récupérer le code iframe que vous avez généralement sur les vidéos YouTube, dans Partager. Vous collez ici le code et vous appuyez sur Open Vidéo. Et là, ma vidéo, c'est bon, elle est embeddée, je l'ai à disposition. Autre possibilité que m'offre Webroom, le tableau blanc. Je vais cliquer sur New Whiteboard et ainsi je vais voir apparaître un tableau blanc avec différentes fonctionnalités et possibilités. Je vais m'arrêter sur texte. Et là, je vais créer un tableau blanc avec des idées de thèmes pour mes prochains apéros. Alors, idées, apéro, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir télécharger des fichiers grâce à l'option Upload File. Alors là, je vais mettre une jolie photo d'apéritif convivial, comme ça, ça mettra un petit peu de baume au cœur à tout le monde. C'est parfait, elle est géniale. Avec l'option PDF Présentation, je vais pouvoir insérer une présentation de type PDF. Là, par exemple, je vais mettre une présentation sur les cocktails sans alcool. Donc, elle se charge, et puis là, je vais pouvoir petit à petit présenter ma présentation et surtout la rendre interactive avec un pointeur ou avec par exemple un stylo pour entourer celui-ci, le Coconut Lips. Enfin, vous avez la possibilité de charger de la musique grâce au bouton Play MP3 ou bien de ramener un espace de travail que vous avez précédemment utilisé grâce à Load Workspace. Par exemple, ici, j'ai deux possibilités d'espace de travail que j'ai utilisé précédemment. J'en sélectionne un, Load Selected, ça me ramène tous les éléments que j'avais utilisés précédemment. Rassurez-vous, si vous ne souhaitez pas préparer votre réunion, vous pourrez tout de même retrouver toutes ces fonctions disponibles pendant votre live. Bon, maintenant que c'est prêt, j'ai plus qu'à attendre 11h45. L'application procède au test de connexion. Je suis alors invité à tester mon système audio. Je clique sur Play. Vous devriez entendre un son de piano. Si c'est le cas, cliquez sur Yes. Pour moi, c'est OK. Ensuite, on active. Et là, nous sommes invités à autoriser Webroom à accéder à notre micro ainsi qu'à notre caméra. C'est ce que je fais, évidemment. Ensuite, je dois tester si le micro marche bien. C'est le cas. Puis, c'est la caméra qui se présente et donc bien là, a priori, tout fonctionne bien. Donc j'appuie sur Next et enfin, j'appuie sur Enter Home pour y aller. Au centre, vous devriez visualiser votre ou vos correspondants. En bas à gauche, vous avez ce que filme votre caméra. Vous avez également trois boutons essentiels. Microphone, qui vous permet d'ouvrir ou de fermer votre micro. Un conseil. Demandez à vos apprenants de le fermer par défaut pour éviter le brouhaha. Vidéo, qui vous permet d'ouvrir ou de fermer votre caméra. Vous pouvez demander à vos invités de le désactiver si la bande passante est faible, par exemple. Enfin, screen share. Il vous permet de partager votre écran, par exemple lors d'une manipulation. En bas au centre, vous avez votre espace de travail partagé, que nous avons vu précédemment dans la partie préparation. La partie droite se décompose en deux colonnes. La première, c'est le chat. Il permet aux participants d'interagir de manière manuscrite avec le groupe, soit en rédigeant un court texte, coucou, soit en interpellant pour poser une question, avec Ask a question, soit en signalant qu'il est prêt, grâce à I'm ready, ou bien en intégrant un emoji. La seconde, c'est une partie destinée à la prise de notes. En effet, avec notes, vous allez ainsi pouvoir noter des informations que vous pourrez récupérer et conserver après votre session. Par exemple, excellent tuto que je pourrai récupérer ensuite. Au-dessus, au centre,
Vous avez trois icônes. Le premier vous permet d'inviter de nouveaux participants. Le second vous permet d'éclater le groupe à plusieurs. Et le troisième permet de modifier la vue de votre écran. Les correspondants passent ainsi à gauche et votre espace de travail passe au centre. Pour être efficace, une classe virtuelle nécessite un minimum de préparation, d'organisation et de structure, car l'enseignement à distance ne se construit pas de la même manière que l'enseignement présentiel. Aussi, pour ceux qui, compte tenu du contexte, ont des contraintes de temps, je vous invite à respecter ces quelques conseils. Tout d'abord, impliquez vos apprenants, expliquez-leur l'expérience qu'ils vont vivre et aidez-les à se familiariser avec l'outil. Ensuite, préparez votre intervention. Avant de vous connecter, testez-la, ainsi que votre matériel, et surtout répétez. Soyez accueillant, comme vous le feriez en présentiel. Puis, sachez démarrer. Présentez les enjeux et les objectifs de la formation pour donner du sens. Dans la mesure du possible, faites un tour de présentation, puis présentez-vous. Rappelez le programme. Enfin, surtout n'oubliez pas de mettre en place des règles de vie. Puis, faites court. La durée optimale d'une classe virtuelle est d'environ 45 minutes. Aussi, privilégiez les schémas et les dessins établis sur une diapo toutes les 3 à 5 minutes. En animation, c'est pareil. Le décrochage est vite arrivé. Alors, animez avec dynamisme, avec votre voix, votre enthousiasme, votre humour, utilisez des outils et faites des pauses structurantes. Faites-les participer. Proposez des activités, comme des retours d'expérience, des résolutions de problèmes. Puis, évaluez pour vous assurer que les objectifs ont été atteints. Enfin, suivez vos apprenants. Maintenez le lien avec eux. Rendez-vous disponible et alimentez-les en ressources. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de prendre beaucoup de plaisir avec cet outil. Et je vous invite à passer à l'action. Lancez-vous !